Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Marwa. Ah, bah il y a les feux d'artifice pour fêter notre arrivée dans l'épisode, vous voyez. On est bien. C'est là que je voulais faire. Ok! Bah Lilith, qu'est-ce que tu fous ici? Tiens, tu vas reprendre ta toile réaliste, ma belle. Là, il faut qu'on... Faut qu'on est toujours dans l'objectif d'avoir de l'argent. Toi, tu joues à Big Block. Non. Tu vas écrire, reprendre l'écriture du guide d'archéologie. Voilà! Nabeshima est toujours en forme, hein, ça te revient. Voilà. Ok. Bonjour Lilith! Ça fait plaisir de te voir. Mais Marwa, tu peux faire ta toile à la place, oui, parce que sinon on n'a pas que ça à foutre que de discuter avec la belle-sœur. Après, tu vas faire évoluer ça, tiens. Ça n'est pas évolué. On a bêché, Emma. Toujours aussi faux folle. Dis donc, oui. Moi qui veux et qui veux des enfants avec Nabeshima, on va adopter un chat. Voilà. Et on va prendre un mâle et ils vont se faire des bébés. Et puis comme ça on aura la paix et voilà. Parce que comme on peut pas le faire naturellement, on va feinter le système et on remettra le chat à l'adoption. Donc c'est affreux, mais voilà, c'est le seul moyen que j'ai pour avoir des bébés avec ma chatte, quoi. Oui. Un chef-d'œuvre! 2300! Eh ben, tu peux le vendre, s'il te plaît, ma belle. Nabeshima s'est barrée. Elle a dit... Ouais, c'est quoi? Elle est là-bas. Elle est là. Je la vois. Je la vois, la coquine! Oui, on vend. On a besoin de thunes. Du pognon, quoi. Elle est où? Je sais pas. Ah, elle est revenue à la maison, d'accord. Elle a fait une petite excursion rapide. Tu vas faire une toile confiante. Peins-nous des très beaux paysages, des machins, des trucs du moins qui nous coûtent du pognon. Qui nous ramènent du pèse. On est à 10 000 simflouz d'acheter l'appartement. C'est toujours cet objectif, je vous rappelle, d'acheter l'appartement terrasse qui est dans le quartier et qui coûte quand même 83 000 simflouz, sans compter les travaux et la décoration. Donc, il y a du boulot à faire et c'est pour ça que là, je l'ai fait bosser à fond pour avoir de l'argent, quoi. Et encore une toile de fête. Collectionneur, elle vaut combien? 700. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a encore? Nabeshima. Oh, la vache! Saloperie de chat. Ah, mais quelle. Mais non, mais viens. Viens là! Tu vas jouer un peu avec parce que là elle est casse-couille. Heureusement la petite elle a pas réveillé. C'est ça ton plumeau? Il n'y a plus rien! Il n'y a plus de plumes! Alors je savais que ça, on avait perdu des plumes mais je pensais pas que ça aurait un impact vraiment sur le plumeau quoi. Oui, les plumes elles sont là! C'est trop drôle! Jeter une plume. Ah ouais, mais c'est excellent! Mais ils vont vraiment été poussés le truc loin en fait. Où tu te tais? Où tu te tais? Où tu te tais? Bien sûr, il n'y a pas de mâle dans le coin, non, mais vous inquiétez pas. On va avoir des bébés chats dans pas très longtemps. C'est juste que là, mais casse les couilles! T'avais fait évoluer l'arbre? Ouais, ok. Tu vas reprendre un petit coup. Tu veux faire quoi? Non, mais tu vas bon. Tu vas abandonner la toile là et tu vas en refaire une juste après. Vas-y, vas-y. Allez. Bravo, Caleb a fini son bouquin. Tu vas me faire une toile colérique. Allez. Là, il mange. Je t'avais demandé d'adopter un chat, mon petit. Foyer. Adopter un chat.
Ouais, vas-y, bouge ton corps. Déhanche-toi. On va adopter un chat! Youhou! Voilà la flambée de chats que nous avons en disposition. Chaton femelle. Chaton femelle. Chaton femelle. Chaton mâle castré. Chaton mâle castré. Chaton mâle castré. Adulte femelle. Moustache femelle. Mâle castré. Mâle castré. Putain, mais c'est bon, quoi. Pourquoi vous castrez tous vos animaux? Moi, je veux des bébés chats. Bon, après, on peut aller chez le véto, hein, je le sais, mais... Alors, quels sont... quelles couleurs je préférerais? Apollon. Oh, ce chouchou. Beau. Lui, il est bleu. Oh, non, c'est une femelle. Merlin. Je vois pas quelle tête il peut avoir. On peut sélectionner deux, je crois. Plusieurs, ouais. Garus. Une seule tête, lui, il me fait peur. Allez, on va faire venir les trois chats. Et on verra lequel nous plaira le plus. S'il y en a un qui s'entend mieux avec Nabeshima ou pas. Voilà la dame de l'adoption. Présentation amicale. Bonjour madame. Oh, elle ne vous aime pas. Enfin, elle n'aime pas Marwa. Ils n'aiment jamais Marwa, les gens, de toute façon. Tu veux voir ta tête, toi? Mais j'ai dit, fais voir ta tête! J'ai cru qu'elle avait les yeux violets. Non, c'est bon. Ils sont où, les chats? Tu n'étais pas censé nous ramener des chats, en fait? Ils sont où, les chats? Terminé évaluation d'adoption. Mais ils sont où? Mais... Je veux bien en adopter un, mais si on les voit pas, on fait, ça fait comment? Oh, c'est sympa la toile que tu nous fais, Marwa, j'aime bien. Tu peux la vendre, s'il te plaît? Elle est à combien? 672. Vas-y. Toile abstraite, 100. Ah, ben voilà! Oh, oh les voilà! Oh, ils sont trop choux! C'est des bébés encore, hein. Oh, oh punaise! Et lui... lui, c'est un gros matou. Oh, mais ils sont trop mignons! Lesquels on prendrait? J'ai envie de dire tous, mais bon, on va pas pouvoir, hein. Oh, c'est trop chou! Oh, il est tout petit, là. Non, le tigré, il me plaît vraiment bien. Apollon. Tu peux venir, du coup, présentation amicale. Présentation amicale. Oh, c'est lui qui vient dire bonjour. Oh, mon Dieu, il est trop chouchou! Coucou, Jazz! Coucou Jazz. Oh. Après on sait pas comment ils grandissent alors que le gros machin là il est déjà... Oh là là, my god. Oh my god. Salut toi. Magnifique. Oh, ils sont trop mignons. Moi dans, comme dans la vraie vie, hein, si je pouvais je les adopterais tous. Hein. Tous sans discours. Sans rien, voilà. Alors, coquine. Oh punaise. Quelle habileté qu'éblot. Coquinette de... Lâcher. Envoyer le chat à l'extérieur afin qu'il ait du temps pour s'occuper de lui tout seul. Chat distant. Oh ben non. En même temps, chat distant, c'est pas mal, hein. Oh putain. Nabeshima, elle en peut plus. Présentation amicale. Oh bah, ils s'aiment pas. Quoi? Elle s'accoupe quand même avec? Sans qu'on lui demande. Un prédateur. Ah bah, dis donc. Oh, ça fait une myriade de chats.
Le bonheur. Fais un câlin à Beshima. Ah ouais, mais regardez! Ils continuent à se faire des machins là. Ça, ils se reproduisent, hein. C'est bizarre quand même. Et lui, il s'en va! Hé, crapule! Oh, merde. Mais ils s'aiment pas, mais ils font quand même des choses ensemble. Non, mais en fait, elle va nous tomber, elle va tomber enceinte sans qu'on lui ait demandé. Après toute cette galère que j'ai pu avoir. Ben voilà, elle l'a mis en chaleur. Et hop, il recommence. Non, mais franchement. Alors, on prendrait lequel? Apollon qui est. Donc, on sait pas. Jazz, il est prédateur. Merlin, on sait pas. Je crois que Nabeshima va sauter sur lui. Sur Merlin. Mais non, quoi? C'est quoi? C'est. Ils ont copulé et maintenant ils se battent. Bon, on va pas adopter Merlin, hein, ça se passe pas bien. Oh la saloperie. Là, je suis choquée. Nabeshima, c'est quoi ce comportement? Mais on peut pas pas lui dire que c'était pas bien. Je sais pas. Là, franchement, je sais pas. Bon, bah du coup, on va adopter un des deux petits, hein. Toi, donc Apollon, chaton mâle ou Jazz? Lui, il est distant. Félicité, mais arrête. Lequel va-t-on... Et recommence? Ok, et ils sont où les deux petits? Je crois qu'ils se sont barrés. Hein. Ah bah ils sont partis. Ah si, il y en a encore un qui est là! Oh, tchou, tchou, tchou. Jazz, tu vas les caresser, Caleb. Et Apollon, je sais pas où il est. Mais ils sont partis! Mais non. Bartholoméaou, il est mort. Oh. Oh punaise, il s'est cassé la gueule. Tiens, toi. Apollon, avant que tu t'en ailles, on va t'adopter. Voilà, parce que là, tes autres, ils sont partis. Je sais pas comment on fait pour les revoir. Non! Mais madame! Mais madame! On voulait un chat! Oh mais non! Mais quel est le Bains? Ah bah non, mais adopter un chat. Allez, Caleb, retourne adopter un chat, je comprends pas. Toi, tu fais quoi, toi? Non mais toi tu vas vendre ta toile. Oh! Alors pas Maggie. Non, on veut la Apollon. On est d'accord. S'il est pas stérilisé. Apollon. Allez, Apollon, on est bien. Tu vends un collectionneur, ma belle? On va refaire ce qu'il faut. Oh! Et là aussi. On gagne des sous, on gagne des sous, hein. Ah! J'entends qui? J'entends Azénor qui se réveille. Azénor a faim. Azénor a faim. Marwa, tu vas donner à manger à ta fille. Prendre la nourriture et choisir autre requise. Déjà, il faudrait que je fasse ce qu'il faut. Ouvrir? Oui, il y a de quoi faire. Donc finalement, on n'a pas besoin. Donc tu vas continuer ta vie et tu vas faire une toile abstraite. Et Azénor, elle se gère, elle va prendre une portion et après elle ira au pipi.
1000 simflouz pour Calebou. Ok, c'est bon, on va pouvoir. Il est là. On l'adopte. Allez, tout de suite. Voilà, au moins ça c'est fait. Nous aurons deux chats à la maison. Ah! Elle est en train de bouffer! Ah la saloperie! Ah, Nabeshima! Ah, mais c'est une vraie saloperie ce chat. Oui. Apollo. Oh, mais il est trop chouchou! Regardez-moi ce petit choupinet. Oh, Apollon. Voilà, on a un petit minou avec nous. Non, si, tu peux aller l'engueuler. Elle est en train de faire sa gymnastique là, mais tu peux aller l'engueuler, Caleb. Dépêche-toi. Si, regarde, là. Allez, continue. Pardon, excusez-moi. Tu vas ranger du coup. Regardez-moi ce petit choupinet! Oh, il est trop chouchou! Coucou bébé chat! Oh, il ressemble à mon bébé Tyrion, parce que moi j'ai un chaton. Voilà, il est quasiment assez grand pour être un vrai chat maintenant. Enfin, juste un chat, un adulte. Mais pour moi, il est encore petit, il a la même tête. Oh, bah, on me refait la même toile. D'accord. Tout va bien. Mon coquinette, elle fait sa vie. Toi, tu manges, t'as raison. Et comme t'avais fini ton bouquin, d'ailleurs, on va te vendre à un éditeur. Hop. Prendre ton courrier. On devait pas payer les factures. Je ne sais plus. Il y a tellement de merdier dans leur inventaire. Je sais plus c'est quoi ça. Ah bah c'est un guide qu'il avait acheté. Et le courrier, je sais pas. Je vais voir s'il peut s'il te paye les factures. Non? Alors, il est déjà parti faire sa life Apollon. C'est qu'un nom pareil, franchement. Ok, qu'est-ce qu'elle veut, Nabeshima? Qu'est-ce qui va pas, ma pépette? Oh, c'est une musique. Elle a faim. Ah bah oui, c'est vrai qu'il va. Bah non, bah écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah t'as déjà une gamelle, mémère, hein, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non quoi. Ça suffit, hein, le bordel là, quand même. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ta fille, d'accord. Tu peux vendre, s'il te plaît, ça? On y arrive, on y arrive, on y arrive. Tu peux du coup découvrir un objet ancien parce qu'on n'en a pas fait depuis un bout de temps et qu'il en reste encore pas mal. Calebou, lui, il fait sa life. Tu peux reboire un coup. Et puis à la limite, tu peux t'occuper de ta fille. Elle a fait son petit caca. Hocher la tête en rythme. D'accord. Oh putain, Nabeshima! Fais un câlin. Il est où C'est pareil, hein. Mais les voisins, ils vont nous le piquer, hein. Oh, regardez, il est tellement petit! Ah! Je le vois même pas! Il est là! Il est là! Ah, mais avec l'immeuble, là, c'est super chiant! On n'arrive pas à se mettre comme il faut. Là, on a un truc qui. Ok, maintenant que je suis par terre, on va me dire que c'est pas ici qu'il est. Ah, mais non, il est revenu! Il est revenu. C'est vrai que Caleb l'a appelé, donc forcément, il est revenu. C'est trop drôle. On va parler à Apollon. Donc Nabeshima, il mange. Regardez-moi ce petit truc-là. Qu'est-ce que c'est mignon tout plein. Proposer son amitié. Ça, quand il grandira, il pourra faire des bébés avec Nabeshima. Toi, t'as fini. Imite Nabeshima. Vas-y, imite là. On rigole. Bon, bah, la petite, elle va bien. Hein. Elle est pas chiante, hein. Tu vas pouvoir lui.
Et c'est pas un chien, c'est un chat, Zenor. Attention. Tu vas lui apprendre des trucs. Qu'est-ce que tu veux lui apprendre? Éducation. Bah non. Écoute, tu peux pas lui apprendre à parler et tout? Elle sait déjà tout faire? Non, apprendre à parler. Allez, tu vas lui apprendre à parler, Caleb. Au moins, ce sera ça te fait. Ta fille, elle sera un peu plus normale. Oh, il fait déjà ses griffes. Oh, c'est trop chouchou. J'aime trop les chats. Je suis obsédée par les chats, c'est horrible. Ah, 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 ah. Nous avons une visite impromptue. Squat d'amis. Mais qui? La petite musique et tout, mais on sait pas qui est là. Ah, c'est Rieko. Soirée jeu. Rieko est obèse, Rieko est enceinte jusqu'aux yeux. Bon, j'ai l'impression qu'elle gagne pas trop de ventre. Et on a un deuxième petit minou, regarde Rieko. Oh putain, mais Nabeshima, elle arrête pas de gueuler, c'est insupportable. Ouh, alors, Marwa, on a découvert ça, qui est donc rare et compagnie. Ça, on fera un petit tri aussi de tous nos trucs. Et j'avais oublié que je galérais à les faire devenir meilleurs amis, les deux, là. Parce que c'est un peu le but dans la... Dans leur aspiration. Il est blasé. Bah, regarde pas des conneries à la télé, Caleb. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était les poèmes d'amour. Oh là là! Conversation ennuyeuse. Non mais... What? Mini journée. Puis il y a des miaou miaou partout dans toute la baraque. Toi, ils sont au top du top au niveau relation. Et je peux quand même pas les faire devenir meilleurs amis. C'est chiant. Bon, dépêche-toi de faire ça, Marwa. Après, tu mangeras aussi. Oh, putain. Compétence imagination. Fais un câlin, Nabeshima. Caresse. Et parle. Oh là. Ah ouais, un câlin comme ça. Mais si seulement c'était possible de faire ça avec un chat. Le chien, à la limite, c'est plus facile que le chat. Trop mignon. Et tu veux dire bonjour Rieko. Partager de l'amour, voilà. Caleb, il a pas bu pendant 13 jours. Ouf. Alors, t'en es presque là de ton truc. 61 Simflouz pour l'instant. On va savoir bientôt combien il va nous coûter. Et combien il va nous rapporter surtout, parce que là... Bon, ça, Rieko s'est barré. On n'a rien eu le temps de faire. Caleb, il appelle les deux chats qu'on connaît parce que là, Nabeshima, ça va plus. Hein. Elle a le feu au cul. Elle a carrément le feu au cul. Elle arrête pas de gueuler dans tous les sens. Bon, ça devient chiant. Donc comme ça, elle va essayer de se reproduire toute seule de son côté. C'est très bien. Alors, et excellent. Eh ben, c'est excellent. Tu manges un peu, Marouanette? Qu'est-ce que vous faites? Il frime avec ses pouvoirs, mais il n'y arrive pas. Ah bah, elle est revenue, Rieko, que c'est fou. Ah bah oui, elle est revenue, d'accord. Toi, t'as faim encore, Pépette. Le petit dort en pleine... Trop mignon. Tu vas ouvrir. On va prendre ça. Hop, tu vas prendre une portion. Ok. Marwa, tu vas refaire ton objet ancien. Quoique non. Attendez. Bon, il reste pas beaucoup. Je vais vraiment essayer de les faire devenir mes meilleurs amis parce que là... C'est pas possible. Je comprends pas pourquoi j'ai pas cette interaction. Il faut qu'il se soit... Ouais, je sais pas. Moi, je comprends pas trop. Je vais mettre son animal.
discuter des Intenders. Comme ça, au moins, on va refaire un peu d'amical. Ils sont moins en train de se sauter dessus, hein, faire des mamours dans tous les sens, Marois et Caleb en ce moment. C'est plus les couples de jeunesse où ils étaient que deux, maintenant ils sont une famille, ils ont un enfant, ils sont plus calmes. Illuminer la journée. Partager des idées. Rieko déhanche son corps. On a hâte de voir le petit bout qui sortira de toi. Ah bah voilà, la canaille. Mais ils font combien d'ordures les voisins Et Nabeshima qui gueule dehors. Je ne vois qu'un, je vois pas l'autre. Et elle est un peu plus, elle voit un chat, elle est contente. Ok. Alors, complimenter sincèrement. Poème d'amour. Ils sont revenus au top, hein. Ils sont toujours très très bien. Tu vas embrasser la joue. J'ai tellement pas cette interaction, je comprends pas. Je crois que c'est Rieko sa meilleure amie pour l'instant. Mais bon. Non, devenir meilleurs amis. Alors pourquoi avec Kalebu ça marche pas? Je suis perplexe devant ce problème. C'est juste pour l'aspiration et moi, cette aspiration-là sera enfin terminée parce qu'elle était longue et compliquée. Franchement, c'est chiant. Bon, la petite, elle a fini de manger. Elle est fatiguée. Bah, tu vas au popo, Zenor. Tu vas aller sur le pot. Et 20h, bah ouais, après tu pourrais être couché. Alors, finalement, la petite, on l'aura pas vu beaucoup. Hein. Et oui, revend la renommée archéologique de l'association des objets anciens. Ah, du pognon, du pognon, du pognon. Comment ça, ils connaissent pas encore leur. C'est une blague. Ils vivent ensemble depuis Perpète les Oies et ils savent pas encore leur propre trait de caractère. Illumine la journée. Allez, vous pouvez devenir meilleurs amis ou quoi? Toujours pas. C'est chiant. Faire crac crac. Bah oui, bah ça par contre, j'ai toujours l'interaction. Hein. Bon, un jour peut-être, j'y arriverai. Tu sais, Marwa, tu sais ce que tu vas faire, tu vas manger. Et on va gagner du pognon, tu vas récupérer. Ah bah non, bah tu les as, je pense, déjà sur toi, alors découvrir un objet ancien. Sinon, il y avait. Non, bah non. Je sais pas. Tu vas faire les deux qui sont à la suite de ton truc là. Ah, Nabeshima et Kanai, ils se reproduisent, mais ça n'a pas marché avec l'autre. Hein. Ah, je vous jure, je l'entends 15 fois par jour, ça, son cri là, j'en peux plus. Kalebu, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais écrire. Non, tu veux pas. Écrire. Un livre de compétences. Mais oui, mais t'as déjà fait Crivener de genre. Un scénario. Vas-y. Éclate-toi. Fais-nous plaisir. Ah, et la petite après, elle va pouvoir y dormir. Elle y va d'elle-même. Elle est magnifique. Voilà. Et on va repartir pour une grande nuit de sommeil pour la petite. Bon, ouais, c'est vrai qu'on l'aura pas vu beaucoup. Mais bon, ouais, en même temps, elle est bambin. Pour l'instant, c'est pas très intéressant, les bambins. Elle grandit dans 3 jours. Ça sera un peu plus intéressant, peut-être que pour l'aménagement dans le nouvel appart, ça se fera. Et elle continue de se reproduire, quoi. Elle en peut plus. Elle va se battre aussi avec? Non. Ah, c'est pas possible. Ouais, les voisins qui font du bordel. Et oui, comme d'hab. Elle est en colère. Non, tu vas jouer? C'est pas grave, tu iras te coucher après.
Nous, on s'en fout, on est des vampires. Alors, franchement, les voisins, c'est le dernier de nos soucis, comme vous pouvez remarquer, hein. Le dernier de nos soucis. Dis pas qu'elle est repartie faire. Mais c'est pas possible, mais elle est obsédée par le cul ou quoi, cette chatte? Mais c'est pas possible. Et le petit machin, il est où? Oh, il est là, regarde-moi ce petit coucouillou. Oh, je suis trop choupinet. Niveau 9, compétences écriture pour Calébou. Il va pouvoir écrire un bouquin pour comment écrire un bouquin bientôt. Un livre de compétences. Eh, c'est possible, hein, ça, c'est marrant. J'y ai pas pensé, mais on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Par contre, ils font toujours crac-crac très bruyamment, hein. Est-ce que... Oh non, mais c'est horrible, on entend les ressorts et tout, le truc du lit. Oh non, mais ils en abusent, franchement, les Sims, là. Dieu! Il est en train de vieillir! Oh non, canaille! Oh, canaille, il est vieux! Mais non! Quelle tristesse! J'aime pas ça. J'aimerais jamais quand les chats ils deviennent vieux et ils meurent jamais de la vie. Caleb a encore terminé un livre de ta nananère. Tu vas pouvoir le poster. Hop. Oh non. Tu vas pouvoir l'envoyer à Revue littéraire. Ah, trop tard. Oui, j'ai compris. Ah, t'es chiant, hein? Tu peux réparer ça, tiens. T'es en forme. On va essayer de sauver tous les moindres Simflouz maintenant, hein. 76 000. Notre but étant 83 000. Tu vas pouvoir manger. La petite, elle est partie dormir. Le petit, il est là. Oh, il est chouchoupiné. Faire un câlin et donner une friandise, allez. Parce qu'il est mignon. Il bouge pas. Il est tout petit. Qui c'est celle-là? On sait pas. Et Nabeshima. Bon, elle fait sa vie, hein. Ah, Fifi. Oh, il le regarde. C'est trop mignon. J'aime trop les chatons. J'aime trop les chats, je sais, j'ai déjà dit. Je me répète. C'est comme ça. Waouh! Vous avez terminé la collection d'objets anciens? Mais non! Je ne te crois pas. Oh! Ça, c'est trop cool. Ça, c'est génial. Alors, est-ce qu'on a reçu? Non, on n'a pas encore reçu les trucs. Je sais pas quand est-ce qu'on reçoit les trucs là. Découvrir un objet ancien. Et découvrir un objet ancien pour le dernier. Ayons une... Ah bah Caleb aussi. Bah, c'est bien, on va pouvoir se faire pas mal de thunes. Exprès, grâce à l'archéologie. Et puis ce sera un bon revenu si régulièrement on reçoit de la thune comme ça. Bah, des trucs à analyser et tout, ça peut être super. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Regarde la télé. Ah ouais, Caleb, toi, regardez la télé. Depuis quand? Oh, regarde, moi, ce petit machin là. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il y a un truc qui va pas, Apollon? Mais non, tout va bien en général. Il a craché. Ah, nettoyer touffe de poils. Ah mince. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas compris ce qu'elle avait. On peut pas lui demander ce qui va pas. Et ça veut dire qu'il serait poilu, Apollon. Prédateur nerveux et gâté. Ouais, d'accord, il n'y a pas tous les meilleurs profils du monde quand même. Hein. Qu'est-ce qui t'a, Nabeshima? Oui, c'est ça, brosser pour le truc du... On va faire un câlin, on va s'occuper un peu des minous. Bon, elle aime bien ça, se faire brosser. Il est trop mignon. J'espère qu'il sera tout aussi mignon quand il sera grand, hein.
Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Je sais, j'ai dit au moins 15 fois mignon en moins d'une minute. Nabeshima. Marwa est toujours en train de faire son truc. Ah, mais c'est trop bien qu'on ait la collection complète. C'est peut-être la première fois dans cette partie que j'ai la collection complète. Alors, collection. On va aller voir ça tout de suite. Fossile, non. Tac, tac, tac. Omnisquin. Ah ouais. Objet ancien omnisquin. Eh ben, on a tout. Ça, c'est cool. C'était les deux derniers qui nous restaient, un rare et un commun. Et les trésors, on n'a qu'un seul. C'est déjà pas mal, hein. Une collection sur 26 terminée. Il y a du taf encore, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de taf. Kalem nous a fait une superbe toile. Mais on aura gagné 16 plus grâce à lui. Ah bah, en même temps, il est pas au même niveau que Marwa, hein. On est d'accord. Ce sera toujours ça de prix. Tu vas prendre une petite machin. J'attends que Marwa ait fini de se faire son dernier objet, sachant que ce n'est pas les objets qu'on a reçus encore. Hein, avec quoi on va pouvoir gagner de l'argent. C'est juste les ceux qu'on aura récoltés à Salvadorada. Et tu vas nous faire une petite vampire, une petite... Non, pas désactiver, non. Je sais pas ce que je voulais. Ah bah voilà, 1400 en pognon, merci, qu'allez-vous? Bon, c'est pas grave, je voulais faire... Méditation obscure. Regardez-moi les deux petits minous, est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Une fille, un garçon. Logiquement, ça passe. Donc Caleb, il va se régénérer un petit peu. La classe. La classe. Ah, voilà le courrier! C'est voilà le courrier. Prendre son courrier. Donc du coup, c'est Kalebu qui aura tous les trucs, on est d'accord. Donc tout ce qu'il va recevoir en nouveauté... C'est ces trucs-là. Ah. Plaque, l'ancien et le nouveau. D'accord, ils doivent en faire deux. Bah écoute, mon petit... Authentifier un objet ancien. Ah, il en a 4 en tout. Bah, c'est Caleb qui va le faire. Puisque c'est lui qui aura reçu tout pour tout le monde. C'est pas grave, hein, il a les mêmes compétences que Marwa. Pour Marwa, ici, COP. Puis vous voyez, quand je clique dessus, c'est juste mettre dans l'inventaire, donc c'est pas pour elle. Quoique alors... Non, c'est... Ouais, c'est que... un escort magique. Alors, elle vient aussi... De récolter, voilà, il ne vous reste plus que récolter une seule fois l'arbre à fruits, le fruit à machin là, et on est bien. Tu vas manger, tu vas faire connaissance avec Apollon, tu vas jouer avec un pointeur laser, tu vas le prendre dans les bras, Mium, et puis on va se quitter là. Pendant que Caleb ausculte ce dernier truc qui va nous rapporter, je pense, quelques petits sous. Et on arrivera du coup pour l'achat de l'appartement. Ce sera très bientôt. On déménage très bientôt. Bon, bah, c'est là-dessus que je vous quitte. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Marwa ou d'un autre. En attendant, bisous. À bientôt. Allez, salut.